Can you see Luigi BBB? The parade la dora, the ce soir, les véritables vedettes, ce sont eux, ce sont ces jeunes qui se sont déplacés pour montrer leur talent, leur prouesse technique, leur qualité footballistique. Et on va leur demander tout d'abord de se présenter. On commence par celui qui est à ma droite. Alors... Et je suis né le 10 juin 1997. Et dans la formation, je suis né un mardi. Un mardi en plus. Ah, bonjour, je m'appelle Wayne Mokdad. Je suis né le 14 mai 1998. Je suis né le vendredi. Je suis né à Khelsla. Je m'appelle Hamad Moussa. Je suis né le 24 décembre 1998 à Tizi Ouzou. Ah, la précision est importante. Je m'appelle Walid Salma. Je suis né le 24 février 1997. Je suis né à l'hôpital Saint-Justine, à Montréal. Commencez par vous vous êtes présenté. Maintenant, vous allez nous parler un peu de votre voyage. Comment s'est fait votre voyage? Comment vous vous êtes senti là-bas? Comment vous avez été accueilli? Et on commence dans le même ordre, avec le jeune Slifi. Ouais, ben, moi, je trouve qu'on a très bien été accueillis. Les gens là-bas, ils étaient... très accueillant, on se sentait comme chez nous, quoi. On manquait de rien, la nourriture était très bonne et tout, on était très bien encadrés. En plus, très bien encadrés. Ouais. Eh bien, bravo pour vos accompagnateurs. Oui, jeune homme. Bah, moi, en fait, je trouve qu'on a très très bien été accueillis, surtout par même le monde qu'on ne connaissait pas. On marchait dans la rue, ils nous supportaient, ils nous souhaitaient tout le bonheur, ils nous disaient que... Inch'Allah, on aura tout ce qu'on voulait, puis on ira peut-être loin dans l'équipe nationale. Par les joueurs aussi, même s'ils perdaient, puis nous on perdait aussi, on gardait le sourire. La nourriture dans le centre là où on habitait, le monde, ils étaient bien gentils. Je trouve qu'on a bien été accueillis par les personnes du centre, où ce qu'on dormait, parce que ben, ils nous préparaient à manger le matin, le déjeuner. Oui. Puis ils nous faisaient le goûter, puis ben on avait 4 repas par jour. Ça veut dire que vous avez grossi alors? Oui, 4 repas par jour. J'ai vraiment aimé cette semaine en Algérie avec les personnes qui nous ont accueillis là-bas, ils ont vraiment été sympas. Ouais. Vraiment, je me sentais vraiment chez moi. Les coachs et tout, ils nous ont bien fait voyager avec l'autobus. C'était vraiment sympa avec les copains, j'ai aimé ça. Et surtout que madame qui était une cuisinière, j'ai oublié son nom, mais elle était vraiment sympa. Tu veux la remercier? Ouais, je voudrais la remercier. Elle se levait tôt pour nous, des fois elle revenait tard chez elle, juste pour nous faire à manger. Et en plus, c'était extraordinaire. Vraiment bon, c'est magnifique.